بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 43 sur le cours de l'ordre des nombres réels et opérations. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. T est un nombre réel tel que moins 5t plus 2 est compris entre moins 8 et moins 3. Encadré T et racine carrée de t plus 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez encadrer ces deux nombres. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Encadrant, T. On va partir du donné, moins 5T plus 2, est compris entre moins 8 et moins 3. Pour obtenir l'encadrement de T, on va se débarrasser de ces deux nombres, moins 5 et 2. On va commencer par quel nombre? Oui, on va commencer par se débarrasser du nombre 2. Ça donne moins 8, moins 2. Est inférieur ou égal à moins 5t plus 2, moins 2, qui est inférieur ou égal à moins 3, moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc il nous reste moins 5t qui est compris entre moins 10 et moins 5. Maintenant, je vais me débarrasser du facteur moins 5. Pour réaliser ça, bien sûr, on va multiplier tous les membres par son inverse. Et l'inverse de moins 5, c'est moins 1 sur 5. Donc, moins 1 sur 5 fois moins 10 deviendra supérieur ou égal à moins 1 sur 5 fois moins 5t, qui à son tour supérieur ou égal à moins 1 sur 5, fois moins 5. Pourquoi j'ai changé les deux symboles des inégalités? Oui, parce que, tout simplement, on a multiplié tous les membres par un nombre négatif. Donc, il faut changer sur le champ les deux symboles. Moins 1 sur 5 fois moins 10, c'est 10 sur 5, qui est supérieur ou égal. Un nombre fois son inverse est égal à 1. Donc, je vais barrer moins 1 sur 5 et moins 5, il me reste t. Supérieur ou égal à moins 1 sur 5 fois moins 5, c'est-à-dire 5 sur 5. Maintenant, je passe à la réduction. 10 sur 5, c'est 2. Supérieur ou égal à t. Et 5 sur 5, c'est 1. Donc, t, comme vous voyez ici, est un ordre compris entre 1 et 2. Donc, j'ai obtenu l'encadrement de t. Maintenant, je vais chercher l'encadrement de racine carrée de t plus 3. Donc, je vais commencer par quoi? Oui, je vais commencer par l'encadrement de t. On a, ou bien on sait que t est un nombre compris entre 1
et 2. Puis, je vais encadrer T plus 3. Donc, tout simplement, je vais ajouter 3 à tous les membres. 1 plus 3 est inférieur ou égal à T plus 3, qui est inférieur ou égal à 2 plus 3. T plus 3 est compris entre 4 et 5. Maintenant, je passe à la racine carrée de T plus 3. Vous savez que si on a A et B, deux nombres positifs, si A est inférieur ou égal à B, alors la racine carrée de A est inférieure ou égale à la racine carrée de B. Donc on va dire la même chose pour l'encadrement. Si j'ai trois nombres A, B et C, tel que A est compris entre B et C, alors la racine carrée de A va être comprise entre la racine carrée de B et la racine carrée de C. C'est cette propriété que je vais utiliser ici. Donc la racine carrée de T plus 3 est compris entre la racine carrée de 4 et la racine carrée de 5. C'est-à-dire la racine carrée de T plus 3 est comprise entre 2 et racine carrée de 5. Donc on a finalement encadré le nombre racine carrée de T plus 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitou de Marrakech. Au revoir.